vous allez entendre un message de William Branham, prêché le 8 novembre 1959 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Possédant les portes de l'ennemi ». Bonjour à tous. Je suis heureux d'être de retour au tabernacle ce matin pour prier pour les malades aujourd'hui. Habituellement, nous essayons de venir ici de temps à autre afin de prier pour les gens qui viennent de différents endroits dans ce but. Nous partirons bientôt pour les réunions de la Californie et de la côte ouest. Et assurément, nous sollicitons vos prières afin que le Dieu du ciel soit miséricordieux envers nous là-bas et qu'il nous donne de magnifiques réunions. Je ne suis rentré qu'hier, en fait, hier soir tard. La journée d'hier fut l'une des... les journées d'avant-hier et d'hier furent parmi les plus mémorables de ma vie. Je sais qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes dans ce bâtiment qui ont été témoins de la venue du Seigneur hier, et d'une grande et merveilleuse chose qui s'est produite. Je n'ai pas le temps de vous raconter cela ce matin, mais peut-être que dimanche matin prochain, avant que nous partions, je pourrai le faire pendant le message. Si le Seigneur le veut, je viendrai au moins pour prier pour les malades dimanche matin. Nous voulons partir vers midi, si possible, pour les réunions de San José, à San José en Californie. Et si vous connaissez des gens qui habitent là-bas, sur la côte ouest, nous croyons que ce sera peut-être le moment que j'ai tant attendu, l'heure de ce changement dans mon ministère qui doit venir. Et c'est tellement proche que je croyais que cela allait se produire hier. Et je crois que cela ne va pas tarder maintenant, et ce sera bien au-delà de tout ce que nous avons vu ou entendu jusqu'à présent. Maintenant, souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur, mes amis. Nous nous attendons donc à cela à tout moment, et nous devons tenir la réunion sur le champ de foire. Je crois que c'est juste, n'est-ce pas, Jean ? Au champ de foire à San José en Californie. Et il y aura des réunions pendant 10 jours, du 20 au 29, à San José. Souvenez-vous donc de nous dans la prière. Il nous reste maintenant, si nous sortons à l'heure, environ 1h30. Nous allons donc commencer notre réunion au cours de laquelle nous prierons pour les malades et apporterons la parole. Et j'ai choisi de parler ce matin d'un court passage de l'Écriture qu'on trouve à 2 endroits dans la Bible. Mais avant, inclinons nos têtes juste un moment pour prier. Ô Dieu plein de grâce, nous nous approchons humblement de ton trône de grâce ce matin, comme des enfants indignes, mais venant avec une foi pure en Dieu, qui nous a été donnée par le Saint-Esprit et par sa présence constante avec nous. Et avec cette promesse du Seigneur Jésus, que si nous venions humblement demander quelque chose en son nom, notre requête serait accordée. Par conséquent, nous ne voulons pas relever nos mérites, car nous n'en avons aucun. Mais nous voulons relever les mérites du calvaire, où notre grâce nous a été accordée gratuitement par le Fils de Dieu. Et nous pouvons difficilement retenir nos larmes et nos sanglots en pensant combien nous sommes indignes et comment, par sa grâce, là au calvaire, il a fait cela pour nous, afin de pouvoir nous rapprocher si près de Dieu qu'un lien de parenté nous unisse à lui. Et maintenant, nous sommes pour lui des fils et des filles. Et nous venons ce matin, Seigneur, sous ce petit toit pour nous consacrer et pour le service, confessant nos péchés et pour l'adoration divine. Nous espérons que tu seras avec nous et que tu nous donneras une vision spirituelle de ta venue imminente, afin que chaque jour nous préparions nos cœurs pour ce grand événement attendu depuis des milliers d'années. En vérité, toute la nature soupire et crie pour être affranchie. Et nos esprits au-dedans de nous, Seigneur, confessent constamment que nous sommes pèlerins et étrangers, et que ceci n'est pas notre demeure,
mais que nous cherchons une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Nous attendons ce grand moment. Seigneur, nous ne voulons pas oublier, tandis que nous sommes assemblés ici pour ces réunions, de prier pour tes enfants malades et affligés. Et nous te prions de traiter avec nous aujourd'hui d'une façon toute spéciale, en guérissant toutes les maladies et les maux qui se trouvent parmi nous. Et il se peut, Seigneur, que cette promesse dont je viens de parler, en rapport avec ma rencontre avec toi là, hier, juste après le lever du jour, tu l'as déjà maintes et maintes fois confirmée. Et nous sentons que l'heure est très proche. Et puisse ce jour être le jour, Seigneur, où cela arrivera, où tu changeras le ministère, Seigneur, en quelque chose de plus bénéfique pour ton peuple. Et maintenant, divin Père, nous ne voulons pas seulement prier pour les gens qui sont ici, mais aussi pour ceux qui, partout dans le monde, sont dans le besoin, à la fois spirituellement et physiquement. Donne-leur, ô Seigneur, les désirs de leur cœur, parce que tes enfants ont des luttes en ces jours-ci. L'oppression de l'ennemi est si forte, mais toi, tu es plus fort, car il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et par ceci, nous triomphons. Parle-nous à travers ta parole écrite. Et lorsque nous partirons ce matin, puissions-nous dire comme ceux qui revinrent d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin? Nous le demandons au nom de Jésus qui a fait la promesse. Amen. Je lis maintenant à deux endroits dans le livre de la Genèse. L'un se trouve au chapitre 24, à partir du verset 56. Voici ce que nous y lisons. « Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Et dans Genèse 22, verset 15, nous lisons, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de ses paroles. Maintenant, j'aimerais prendre en guise de leçon. D'abord, mon sujet ce matin, c'est le test avant les portes promises. Et mon texte, c'est possédant les portes de l'ennemi. Dieu avait testé le patriarche parce qu'il lui avait fait une promesse. Et lorsque Dieu fait une promesse, il veut être sûr que cette personne est digne de la promesse avant d'accomplir ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. Ainsi, il avait donc été promis à Abraham que par sa postérité, le monde entier serait béni, qu'il aurait un fils et que de ce fils sortirait une semence qui bénirait la terre entière. Et Abraham avait 75 ans lorsque la promesse lui fut donnée, et Sarah, sa femme, en avait 65. Mais la Bible nous dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais qu'il fut fortifié donnant la louange à Dieu. Et Dieu l'avait testé maintes et maintes fois. Mais voici qu'il en était arrivé au test final avant la bénédiction. Et il en va de même pour toute la semence d'Abraham. Dieu nous donne ce test final juste avant de nous donner la promesse. Et si c'était possible, j'aimerais dire ici quelque chose de personnel.
mais je ne le ferai pas. Ce test final pour voir comment vous allez réagir à cela. Lorsqu'il eut soumis Abraham à ce test, il le trouva tout aussi fidèle qu'au début. Quelle bénédiction ce serait ce matin si nous qui prenons sa promesse de guérison, nous pouvions y rester tout aussi fidèles que lorsque nous nous sommes tenus ici et l'avons accepté. Quoi que le médecin dise, que nous y restions tout aussi fidèles. Et lorsqu'il fit ceci, qu'il ne refusa pas son fils unique, mais qu'il était sur le point d'enfoncer le couteau dans la poitrine d'Isaac pour détruire son témoignage. Il avait témoigné partout à tous ceux qu'il connaissait qu'il allait avoir ce fils. Et lorsque ce fils arriva, il lui fut demandé de retourner à son point de départ en détruisant son seul espoir de voir s'accomplir son témoignage. Et lorsque Dieu vit qu'il était fidèle à cette foi qu'il avait en Dieu, Dieu regarda du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, je te bénirai et te multiplierai, et ta postérité possédera la porte de son ennemi. » Quelle promesse ! Et Rebecca, qui devait être la mère de ce fameux fils promis et attendu, lorsqu'elle fut soumise au test final d'un inconnu qu'elle n'avait jamais vu auparavant, mais elle avait vu le Saint-Esprit à l'œuvre. Et alors que ses parents n'arrivaient pas à décider si elle devait ou non partir avec cet inconnu pour devenir la femme d'un homme qu'elle n'avait jamais vu, elle fut soumise au test final. Allons chercher la jeune fille et laissons-la parler. Nous entendrons de sa bouche si oui ou non elle ira. C'est ainsi que cela se produit pour toute la semence de Dieu. Cela doit venir de votre bouche. Dieu veut vous l'entendre dire. Ainsi, lorsqu'elle fut mise à l'épreuve, elle n'hésita pas un seul instant. Elle dit, « J'irai, j'aime cela. » Non pas, « Laissez-moi me décider, laissez-moi encore y réfléchir. » Elle était pleinement persuadée. Voilà les gens que Dieu peut utiliser, ceux qui sont pleinement persuadés que Dieu tiendra sa promesse. Elle dit, « J'irai. » Et les membres de sa famille furent à ce moment-là tellement loin, peut-être sans même le réaliser, qu'ils prophétisèrent en imposant les mains à leur sœur, à leur fille, cette ravissante jeune fille juive, tandis qu'ils la faisaient monter sur le chameau pour l'envoyer dans un pays étranger, parmi un peuple étranger. Mais il y avait quelque chose sur eux, car ils dirent « Que ta postérité possède la porte de son ennemi. Puisses-tu devenir des milliers de myriades. » Et aujourd'hui, cette race de gens, le peuple de Dieu, est disséminée d'un océan à l'autre à travers la terre entière. Dans cette résurrection, ils seront comme les étoiles du ciel, comme ces lumières brillantes prennent leur position quand elles traversent le ciel. Et lorsqu'ils viendront, ils seront comme les mers sur le, ou le sable qui est sur le bord de la mer. Il y en aura des milliers de myriades. Ta postérité possédera la porte de son ennemi. C'est la promesse de Dieu donnée sous serment. La semence d'Abraham et par son Saint-Esprit, étant donné que la mère devait être une partie du Fils aussi, en ce qu'il participe à la chair, alors le Saint-Esprit, opérant à travers ces gens, dit, il... que ta semence possède la porte de l'ennemi. Puis Dieu jura qu'il posséderait la porte de l'ennemi. Alors, dans quelle position cela place-t-il l'Église du Dieu vivant? Nous sommes la semence d'Abraham, car étant morts en Christ, nous revêtons la semence d'Abraham, et nous sommes héritiers avec lui en vertu de cette même promesse donnée sous serment. Nous sommes la semence d'Abraham, est héritier de chaque promesse qui lui a été faite. Mais lorsque les tests viennent, c'est là que nous manquons. Mais je ne crois pas que la véritable semence d'Abraham faillira. Elle restera tout aussi brave et fidèle qu'Abraham. Maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien dire ou ne peut faire aucune promesse sans l'accomplir. Il doit le faire pour être Dieu. Des années plus tard, lorsque ce même peuple, le peuple promis, la semence d'Abraham
était en route vers une terre promise. Une porte se dressa contre lui, et c'était son propre frère, Moab, qui dit « Tu ne traverseras pas mon pays. Je veillerai à ce que tu ne traverses pas mon pays. » Il dit « Si nos vaches broutent de ton herbe ou boivent de ton eau, nous te dédommagerons. » Mais il répliqua « Tu ne traverseras pas ce pays. » Malgré tout, la promesse de Dieu restait valable. Ils allèrent donc chercher leur prophète Balaam et le firent descendre pour maudire le peuple. Et voici ce qu'il dit. Ils essayèrent de lui montrer le plus mauvais côté de la semence bénie. Mais Dieu lui en montra le meilleur. Il dit, « Quiconque maudira Israël sera maudit, et quiconque le bénira sera béni. » Alors les barrières tombèrent et Israël traversa les plaines. Dieu promit qu'il posséderait la porte de son ennemi. Plusieurs années après, il y en eut un du nom de Daniel qui se trouvait dans la lignée de cette semence royale et dans la lignée des promesses parce qu'il était la semence d'Abraham. Et Dieu, avant la fondation du monde, l'avait choisi pour être son prophète. Ce fut un homme loyal et noble de caractère qui, même dans un pays étranger, avait résolu « Je ne me souillerai pas avec eux. » Voilà la véritable semence d'Abraham. Il vivait dans un pays différent. Il vivait au milieu de gens différents. Mais malgré tout, il honora cette promesse. « Je ne me souillerai pas avec eux. Je resterai fidèle. » Dieu le mit à l'épreuve, comme il l'avait fait pour son père Abraham. Et le roi dit « Où tu es des nôtres et tu adores comme nous ?» où je te jette dans une fosse pleine de lions affamés. Daniel, comme Abraham son père, dit, « Tu peux me jeter dans la fosse aux lions, mais je ne me prosternerai devant aucune de tes statues. Je n'accepterai pas ta religion formaliste. Je resterai fidèle à Jéhovah. » Et c'est alors que vint l'épreuve de force. Le roi tint sa promesse et il prit le prophète, ou plutôt le fit emmener et jeter dans la fosse aux lions. Et lorsque les lions, l'ennemi de Daniel, s'élancèrent vers le prophète, Dieu tint sa promesse. Il posséda la porte de son ennemi. Dieu plaça un ange là, devant ces lions, et s'empara de la porte. Dieu tient sa promesse. Il possédera la porte de son ennemi. Dieu l'a dit. Et puis, il y en avait trois autres là-bas, qui avait fait le vœu de rester fidèle à la cause et qui était vraiment la semence d'Abraham. Et c'était Shadrach, Meshach et Abednego. Et eux aussi furent mis à l'épreuve. On leur dit, « Si vous ne vous prosternez pas au son de la harpe et au son de la trompette, si vous ne vous inclinez pas devant notre religion et ne laissez pas de côté ces choses pour lesquelles vous prenez position, et vous êtes dans l'erreur de toute façon. » Votre religion ne vaut pas mieux que celle des autres. N'entendons-nous pas cela sans cesse? Mais la religion de Jésus-Christ est différente. La puissance de sa résurrection est différente. Nous sommes un peuple différent, un peuple particulier, un sacerdoce royal. Dieu fait la différence. Mais lorsqu'ils leur dirent, il vous faudra être des nôtres, Shadrach, Meshach et Abednego n'auraient pas vu d'objection à ce que ceux-là deviennent des leurs, mais que eux se joignent à ces étrangers, jamais. Ils ajoutèrent, « Si vous ne le faites pas, il y a ici une porte qui mène à une fournaise. Nous pouvons l'ouvrir pour vous jeter dans la fournaise. Et alors vous regretterez de ne pas vous être joints à nous. » Ils se souvinrent de la promesse. Ils les emmenèrent tambour battant à la fournaise ardente. Et lorsqu'ils ouvrirent la porte, et les jetèrent dans les flammes, leur ennemi qui les aurait consumés. Ils possédèrent les portes de leur ennemi. Dieu envoya son Fils dans ces flammes de feu, et il refroidit les braises et conversa avec eux pendant qu'ils s'y trouvaient. La promesse de Dieu resta immuable. Ils possédèrent la porte de l'ennemi. Mis à l'épreuve d'abord, ils possédèrent ensuite la porte de l'ennemi. N'est-ce pas Jésus qui a fait la promesse? Si vous scandalisez un de ces petits, il vaudrait mieux pour vous qu'on suspendît à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jetât au fond de la mer. Ne soyez pas une occasion de chute pour ces petits qui croient en moi. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croient en moi. Il a fait une distinction
Il a montré qui croyait vraiment et qui ne croyait pas. Il y a toujours trois groupes de gens. L'incroyant, le soi-disant croyant et le croyant. Mais Dieu a une façon de démontrer qui est un croyant. Le croyant s'appuie fermement sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Oui, il y eut Élie le Tishbite qui, devant une épreuve de force, se crut le seul du pays à toujours vivre pour Dieu. Et le roi allait lui faire subir une épreuve. Ils le persécutèrent. Et cette petite reine, au visage fardé, du nom de Jézabel, le menaça de mort. Quand il en arriva à l'épreuve de force, Élie posséda les portes de son ennemi et ramena toute la nation à Dieu. Dieu tient sa promesse. Il y eut Moïse, qui était lui aussi dans la lignée de cette semence royale. La semence d'Abraham, après qu'il fut envoyé en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. Et Dieu lui avait donné des signes et des prodiges à accomplir, comme frapper la terre et faire apparaître des grenouilles et des puces, des ténèbres et de la grêle, de la pluie et du feu. Il avait accompli tous ces miracles. Toutefois, lorsqu'il les fit sortir par la main de Jéhovah, le moment vint où il rencontra la porte qui se trouvait entre lui et la terre promise. C'était la mer Rouge, un obstacle sur le chemin. Ils étaient cernés par l'armée de Pharaon, les montagnes, les déserts et la mer Rouge. Mais Moïse alla de l'avant et posséda la porte de son ennemi. Il traversa la mer Rouge à sec, marchant sur un chemin poussiéreux. Tu posséderas la porte de l'ennemi. Dieu l'a dit et c'est réglé. Quelques années plus tard, quand vinrent les épreuves et que l'Église fut tout ébranlée, comme il est si facile pour une congrégation de gens de l'être, lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'Église. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve, éprouvé et testé. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse des maux venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous, que l'Église se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Qu'en est-il d'Abraham avec Isaac sur la montagne, celui à qui la promesse avait été faite? Et c'est par sa loyauté, sa connaissance et sa foi en Jéhovah. C'est à cause de cela, et rien que pour cela, que Dieu abaissa son regard et dit, « Sa semence possédera les portes. J'ai juré par moi-même que je ferai ces choses. » Il n'y en avait pas de plus grand par lequel il puisse jurer. Ainsi, il a juré par lui-même. Or, s'il laissa Abraham être testé jusqu'à ce point final, il doit vous tester et me tester jusqu'à ce moment final. Ce moment de décision où il n'y a plus rien autour de vous, que vous devez vous tenir là tout seul. Alléluia, c'est cela. Tenez-vous seul. Avancez-vous là et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Si tous les autres disent, ce qu'ils expérimentent n'a rien de sérieux. Ce n'est que de l'exaltation. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Et j'aimerais dire ici, à l'instar de Paul, je sers le Dieu de nos pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Même si des mauvaises langues entrent dans l'Église, même si des gens tordent les choses, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'Église parmi les gens et dans le voisinage et tout le reste. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tous les gens cessent de venir, même si l'Église devient froide et indifférente, moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. Même si quelqu'un a fait prier pour lui et n'a pas été guéri, cela n'a rien à voir. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Les tests et les épreuves, les hommes ne sont pas infaillibles, mais Dieu l'est. L'homme, si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse, afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la véritable semence d'Abraham fait reposer sa promesse, parce qu'ils ne peuvent être la semence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la semence d'Abraham. Et cette même foi qui était en Abraham entre dans le croyant. Peu importe ce qui arrive ou l'opposition, le croyant poursuit sa marche. Les espions revinrent en disant, « Oh, c'est folie d'essayer, inutile d'aller plus loin, parce que ces gens-là sont de tels géants, et ils sont très bien gouvernés, et ils ont des lances, et nous avons l'air de sauterelles à côté d'eux. Je ne sais pas, mais je suis porté à croire que Josué était juste un tout petit bonhomme, juste un petit bout d'homme. Je peux le voir sauter sur une espèce de caisse et dire, « Homme, frère !» à 2 millions de gens. Nous sommes plus que capables de les vaincre. Voyez-vous ? Pourquoi ? C'était là une semence d'Abraham. Dieu fit la promesse. C'était leur possession. Dieu fit la promesse. Quelle que fût l'opposition, la vraie semence d'Abraham disait, « Nous pouvons nous en emparer parce que Dieu nous l'a donné. » Voilà votre position ce matin. Voilà la position de l'Église du Dieu vivant. Peu m'importe ce que les autres disent, ce que le médecin dit ou quoi que ce soit, ce que l'incroyant dit, nous sommes largement de taille à faire face à tout ce qui peut se présenter. Nous sommes la semence d'Abraham et nous posséderons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi, Dieu a fait la promesse. C'était à eux, c'était leur possession. La guérison est votre possession. Le salut est votre possession. Le Saint-Esprit est votre possession. Et par milliers des prédicateurs et ainsi de suite dans le pays, aujourd'hui disent, ce n'est pas vrai. Mais la semence d'Abraham sait que ça l'est. Il passe à l'attaque et possède les portes de l'ennemi. Dieu a dit qu'il le ferait. Il le croit parce que c'est une promesse. Sa semence possédera la porte de l'ennemi. Seulement, vous allez passer par des tests et des épreuves. Et Josué se tint là, loyal. Le petit homme dit, peu m'importe combien ils sont grands, peu m'importe quelle sorte de lance ils ont, combien hautes sont les murailles de leur ville, et combien cela est grand. Notre promesse est que la porte sera possédée par la semence des enfants de Dieu. Et nous allons là-bas pour les vaincre. Nous sommes largement de taille à leur faire face. Oh, voilà la véritable semence. Beaucoup d'entre eux qui étaient issus de la semence naturelle dirent, nous ne pouvons simplement pas le faire. Inutile d'essayer. Et puis, ils sont plus nombreux et bien supérieurs à nous et tout. Peu importe, ils regardaient à ce que l'œil voyait, alors que Josué regardait à ce que Dieu avait dit. La semence d'Abraham ne regarde à aucune chose naturelle. Il regarde à ce que le Seigneur a dit. C'est la promesse. Que se serait-il passé si Abraham avait regardé au naturel, à une femme âgée de 100 ans, de 90 ans plutôt, lui qui en avait 100, et il avait vécu avec elle depuis qu'elle était jeune fille, et lui jeune homme. Et il n'avait pas de postérité, il ne regarda pas à ces choses. Il dit qu'il considérait ces choses comme si elles n'étaient pas, car il regardait seulement à ce que Dieu avait dit. « Je te bénirai, Abraham, et je te donnerai une postérité par Sarah. » Et il le crut. Nous ne regardons pas à l'opposition, nous regardons à ce que Dieu a dit. Dieu l'a dit, c'est réglé. Ainsi, lorsqu'ils arrivèrent au Jourdain, après que Josué eut été nommé commandant en chef de l'armée, lorsqu'ils arrivèrent là, tout au bord de l'eau, ils purent regarder de l'autre côté et voir Jéricho. Mais entre les deux, tandis que Josué avait son armée toute prête, il y avait une porte. Et cette porte s'appelait le Jourdain. Mais la promesse de Dieu est valable pour toutes les portes. Quelle que soit la porte, la promesse de Dieu est valable. Il possédera les portes de son ennemi. Cela règle la question. Lorsqu'il arriva au Jourdain ce matin-là, il se peut, je suis porté à croire que le diable avait fait en sorte que le ciel soit chargé de nuages orageux, qu'il y avait beaucoup d'eau boueuse
qui descendent et que les champs soient ravagés par l'inondation. Oh, quel temps d'épreuve! Mais Josué dit, préparez-vous, vous allez voir la gloire de Dieu. Et ils se sanctifièrent et se préparèrent. Ils se sont préparés alors que tout semblait aller à l'encontre. Mais il s'agissait là de la semence d'Abraham à laquelle Dieu avait juré, je lui donnerai la porte. Il vint au Jourdain, c'était sa porte, et il la posséda. Un de ces matins, je devrais moi aussi arriver à cette dernière porte. Vous devrez arriver au Jourdain, mais la semence d'Abraham possédera la porte. Quelle qu'elle soit, vous posséderez la porte de tous les ennemis. Tous ces hommes étaient de grands hommes. Ils moururent dans l'exercice de leurs fonctions. Mais finalement, un jour, à Bethléem en Judée, naquit la semence royale, dont toutes les autres n'étaient que des ombres. La semence royale naquit, non pas d'un homme, mais il naquit par une vierge, avec dans ses veines la puissance de vaincre la mort et l'enfer. Dieu fit une promesse, un simple homme n'aurait pas pu le faire. Mais si Dieu fait une promesse, il est encore le même Dieu qu'il était il y a quelques instants avec Abraham. Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira du moyen de s'emparer de la porte. Comment allons-nous le faire? Josué mourut, Moïse mourut et les autres moururent. Mais Dieu dit, il possédera la porte de son ennemi. Comment va-t-il posséder la mort? Il a une façon de faire les choses. Il possédera la porte de son ennemi. La semence royale naquit. Il fut tenté en toutes choses comme nous. Tout comme vous devez être tenté, il en fut de même pour lui. Lorsqu'il reçut le Saint-Esprit, le diable l'emmena rapidement au désert pour y être tenté. Pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il en sortit, et à sa mort, ils enfoncèrent des clous dans ses mains et lui crachèrent au visage. Il passa à travers chaque maladie, mais lorsqu'il était ici sur terre, il prouva qu'il pouvait vaincre la maladie. Lorsque la belle-mère de Pierre était au lit, atteinte de paralysie, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Lorsque le lépreux cria à la porte, « Impur, impur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Il dit, « Je le veux, sois guéri. » Il triompha et prit la porte de la lèpre. Il s'empara de la porte des fièvres. Il fit que toute la nature lui obéisse. Il était la semence d'Abraham, la semence royale. C'est à lui que la promesse avait été faite. Et par son entremise, à Abraham et à toute la semence qui le suivit jusqu'à la semence royale, et à toute la semence après lui. La promesse de Dieu est vraie. Il vainquit la maladie. Il vainquit la tentation. Lorsque l'ennemi lui cracha au visage et lui frappa la joue, il tendit l'autre. Lorsqu'ils arrachèrent la barbe de son visage et crachèrent sur lui, il ne répondit pas par des injures. Il conquit la porte de la tentation et s'en empara. Et vous dites, « Mon tempérament colérique m'empêche d'agir ainsi. » Vous, semence d'Abraham, oui, monsieur, il l'a conquis pour vous. Et quand on l'injuria, il ne répondit pas par l'injure. Quand on le ridiculisa, il se tut. Quand on l'appela un démon, il ne répondit point. Il n'avait qu'une préoccupation, les affaires du Père. Et c'est de cela qu'il s'occupait. Et finalement, ils l'emmenèrent vers une croix. Il devait affronter la mort. Tous les autres avaient conquis des mers et conquis la nature. Ils avaient conquis des lions et conquis le feu. Ils avaient tout vaincu, sauf la mort. Mais ici se trouvait quelqu'un qui était préoccupé par cela. Et là se trouvait le pouvoir triomphant de la mort. Ils prirent donc ses mains, et étendant ses membres, le clouèrent à une croix. Ils le battirent et le meurtrirent, jusqu'à ce que ses os le regardent. Mais à ce moment-là, après qu'ils lui eurent fait tout ce qu'ils pouvaient, la mort le frappa en disant, « Maintenant je te prendrai comme j'ai pris Josué, je te prendrai comme j'ai pris Daniel, et je ferai tout ceci pour te contraindre à mourir. » Et il mourut à tel point que le soleil eut honte de lui-même. Il mourut à tel point que la nature eut honte d'elle-même, et elle refusa d'opérer. Le soleil se coucha au milieu du jour, et les étoiles refusèrent de briller. Il mourut à tel point que les éléments devinrent si noirs que vous ne pouviez pas voir votre main devant vous au milieu de la journée. J'imagine que la nature dit, « Laissez-moi mourir avec lui !» Frère, le diable envoya ensuite sa précieuse âme dans les abîmes de l'enfer. Là, les portes s'ouvrirent, mais il en sortit le troisième jour, et il vainquit cela. Amen.
Sa semence possédera la porte de l'ennemi. Il vainquit la mort, il vainquit l'enfer. En ce premier matin de Pâques, il vainquit la tombe. Et nous sommes maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le jour de la Pentecôte, il envoya le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations à faire sortir une semence de promesses, pour donner aux nations à ceux qui étaient bannis, pour leur donner à eux le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils aient part à la promesse. Nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Nous n'avons pas à la vaincre, elle est déjà vaincue. Nous n'avons qu'à réclamer la promesse et à nous en emparer. C'est déjà conquis. La mort est vaincue, l'enfer est vaincu, la maladie est vaincue, la tentation est vaincue. Tous les démons sont vaincus, l'enfer est vaincu, la mort est vaincue, la tombe est vaincue. Nous nous tenons dans la porte et nous nous en emparons. Nous n'avons pas à tirer un seul coup de feu. Le prix en a déjà été payé. Son ennemi, il possédera la porte de son ennemi. Combien ? Des milliers de myriades. Il possédera la porte de son ennemi, de chaque ennemi. Il ressuscita d'entre les morts. Nous possédons cela parce qu'il nous l'a donné. Et de plus, tout cela est en don gratuite. Tout cela, tout ce qu'il a fait, il a vaincu toutes les portes. Il a vaincu la maladie, s'est emparé de cette porte. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous avancer jusqu'à la porte en disant « Au nom de Jésus-Christ, le vainqueur !» Amen. Quand vient le temps de mourir et que la mort dit « Regardez-moi lui faire renier sa religion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recule Jourdain. La semence d'Abraham s'empare de la porte. » Paul dit, lorsqu'ils étaient sur le point de lui trancher la tête, une semence d'Abraham, il dit, « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Il possédera la porte de son ennemi. » S'en emparera. Maintenant, il ne sera pas battu à la porte. Il la vaincra et s'en emparera. Il la possédera. Il en a le pouvoir. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de vaincre toutes les nations. Entre les mains de l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus-Christ. Tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps et le monde, ce qui n'est pas la semence, mais celle qui est non régénérée, ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Quoi ? La semence royale. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je confirmerai moi-même que je suis avec vous, car ces signes accompagneront ceux qui croient. Il possédera la semence de son ennemi. Il possédera. Sa semence possédera la porte de son ennemi. Quelle que soit la porte, que ce soit la maladie, les tentations ou le péché, quelle que soit la porte, elle est vaincue. Et la semence d'Abraham la possède. N'êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que nous sommes maintenant plus que vainqueurs? Plus que vainqueurs? Oh, il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Le coup de sifflet a retenti. Le drapeau a été hissé. Et au milieu de chaque amoncellement de péchés, au milieu de chaque chambre de malades, il y a la vieille croix rugueuse, planté par le sang de Jésus-Christ, un vainqueur. La seule chose que nous faisons, c'est de croire, de regarder et vivre. Je serai avec vous, je le prouverai. Les gens viennent dans les derniers jours et disent, « Oh, eh bien, cette chose était, mais je serai avec vous. Et les choses mêmes que j'ai faites ici sur terre, je serai en vous faisant les mêmes choses. Alors ils sauront, ils me verront. » Mon peuple me verra, la semence d'Abraham me verra, ils me connaîtront, ils me reconnaîtront. Les autres m'appelleront Belzébul, tout comme ils l'ont fait. Mais vous me connaîtrez, car je serai avec vous. Vous me verrez,
Vous verrez de vos yeux, vous me verrez, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les choses mêmes que je fais, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. La même sorte d'œuvre. Et aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant a le privilège d'être là et de voir Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité et vainqueur, ici présent, vivant dans son Église, en train de faire à nouveau les mêmes choses qu'il a faites. Alors nous possédons la porte de chaque ennemi. Si vous avez un ennemi ce matin, eh bien, mon frère, il n'y a pas. Si vous êtes une semence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Elle s'ouvrira, peu m'importe ce que c'est. Avancez-vous là en tant que semence promise et dites, « Je réclame ceci pour moi, ceci m'appartient, parce que Dieu a juré qu'il ressusciterait Jésus et qu'à travers Jésus je vaincrai cela. Et je viens au nom de ce vainqueur, Jésus-Christ. Recule, car je passe. Amen. » Il possédera la porte de l'ennemi. Alors tenez-vous là, les épaules bien droites et votre bouclier astiqué, couvert du sang du Seigneur Jésus. L'ennemi reconnaîtra cela. Si vous avez besoin de quelque chose, parlez-lui maintenant, alors que nous prions. Et vous qui êtes ici ce matin, tandis que vos têtes sont inclinées, si vous avez un besoin, voulez-vous simplement lever la main vers Jésus et le lui exprimer dans votre cœur? Dans votre cœur, dites, « Seigneur, tu connais mon besoin. Maintenant, j'ai entendu dire ce matin, et c'est la Bible, il possédera la porte de l'ennemi. Je viens pour posséder la porte. Peut-être que j'ai un tempérament colérique. Peut-être que j'ai besoin du Saint-Esprit, que le péché m'a complètement lié. J'ai un besoin, mais je viens à la porte maintenant. Je vais m'en emparer ce matin, m'emparer de ma porte. Ainsi, écarte-toi, car je passe. Seigneur béni, tu as vu toutes ces mains, et tu sais que ceci est ta parole, Seigneur. Je n'ai fait que la citer, montrant comment tout au long des Écritures, les personnages de la Bible vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, éteignirent le feu, l'ardeur du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, fermèrent la gueule des lions. Et oh, comment leurs femmes âgées recouvrèrent leur mort par la résurrection, et plusieurs choses encore, parce que tu l'as promis, c'est ta promesse, sa semence. Ta semence, Abraham, possédera la porte de l'ennemi, et tu tiens ta promesse. Maintenant, donne leur Seigneur le désir de leur cœur. Puissent-ils partir d'ici changés, puissent-ils repartir en sachant qu'ils sont vainqueurs, parce que la semence royale a vaincu pour eux. Lorsque le roi vint, né d'une vierge, il vainquit tous les ennemis, même la mort. Ainsi la mort même ne peut pas effrayer la semence d'Abraham. Nous avons la promesse que nous hériterons la terre et que nous reviendrons d'une façon plus glorieuse dans un corps glorifié quand le dernier ennemi aura été mis sous les pieds du dernier enfant de Dieu qui restera et qui entrera dans le royaume. Si de ceux qui ont levé les mains levées, certains sont des pécheurs, Seigneur, sauve-les. Ceux qui sont en train de rétrograder, fais-leur savoir qu'ils n'ont pas besoin de demeurer rétrogrades, qu'ils peuvent posséder cette porte de rétrogradation. Cette personne qui a soit un tempérament colérique, une langue qui tient des propos vulgaires et grossiers, ou bien un cœur qui convoite ou est avide d'argent ou de choses impures, fais-lui savoir qu'elle peut posséder cette porte. Peut-être s'agit-il de maladie, Seigneur, d'affliction. Ils peuvent posséder cette porte, car il fut blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes vainqueurs ce matin. Accorde-le, Seigneur. Et en plus de toute cette grande œuvre qu'il a accomplie, il est avec nous. C'est ce qu'il avait promis. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez,
car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Je te prie, Père, de te faire connaître à chacun ce matin, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous que ceci est la vérité? Croyez-vous solennellement que c'est la vérité, sans l'ombre d'un doute dans votre cœur? Souvenez-vous simplement de ceci. L'œuvre du Saint-Esprit est tellement simple que cela déconcerte l'esprit intellectuel. Les choses les plus simples que j'ai jamais... J'ai vu le Saint-Esprit faire ceci. Je disais des choses que je n'aurais jamais pensé être ainsi. Si je me servais de ma propre intelligence, je dirais, « Eh bien, ça ne peut pas être juste, mais c'est toujours juste. » Il fait les choses de façon si simple. Il fait les choses dans le but de se faire connaître à son peuple. Dieu est avec son peuple. Il est au milieu de son peuple. Il les aime et il veut faire quelque chose pour eux et les aider. Et il veut leur faire voir, non pas ce qu'il fera, mais ce qu'il a déjà fait. Il l'a déjà fait, cela vous appartient, c'est à vous. C'est un don gratuit de Dieu, notre Père, à son Église. Combien la pensée intellectuelle sera embrouillée, comme c'était le cas à l'époque de Daniel et des enfants hébreux, et de tous ceux dont nous avons parlé ce matin. C'est un don gratuit de Dieu, notre Père, à son Église. Combien la pensée intellectuelle sera embrouillée, comme c'était le cas à l'époque de Daniel et des enfants hébreux, et de tous ceux dont nous avons parlé ce matin. Voyez-vous, le monde intellectuel d'alors était tout aussi difficile à vaincre que celui de maintenant. Cela a toujours été l'ennemi. Leur manière de voir et leur science moderne, toutes ces choses étaient tout aussi compliquées pour l'esprit qu'elles le sont aujourd'hui. Voyez-vous, c'était pareil. Mais il y a toujours eu ceux qui ont osé rester là et dire « Dieu a raison ». La parole de Dieu est vraie, et vous n'avez pas à vaincre, parce qu'il l'a vaincu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous avancer, de vous tenir dans la porte en disant, « C'est à moi, ceci m'appartient, mon salut, Dieu me l'a donné. Si je désire le Saint-Esprit, Dieu me l'a donné. La promesse est pour moi, pour nos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est pourquoi je me tiens simplement... Ce ministère de discernement que j'exerce se terminera bientôt. Oh, il sera toujours là, mais ceci se terminera bientôt, parce qu'il y aura quelque chose de plus grand, voyez-vous. Cela va en progressant, cela débuta en prenant la main, et passa au discernement, et maintenant, c'est sur le point d'en produire un autre, voyez-vous. Le voyez-vous? Observez cela, et sachez que c'est véridique. Voyez-vous, je sais que c'est la vérité, et cela ira en grandissant, en s'élevant, en s'améliorant. Certainement, c'est qu'il l'a promis, et ce qu'il promet, il le fait. Il ne peut manquer à sa promesse. Et qu'est-ce? Sa présence perpétuelle avec nous, afin de vous faire savoir qu'il s'est emparé de la porte pour vous. Il était la semence royale. Personne d'autre que lui ne pouvait s'emparer de ses portes. Tout cela, jadis, étaient des ombres de sa venue. Mais lorsqu'il vint, cela mit entièrement fin au combat. Le combat prit fin à Gethsémané et au calvaire. Et maintenant, nous sommes simplement vainqueurs. Voyez-vous? Il n'y a aucun combat à livrer. Le combat est terminé. Nous possédons simplement cela. Nous avons l'intitulé de l'acte de propriété, une garantie écrite de Dieu notre Père, qui leva sa main en disant, « Je le jure par moi-même, sa semence possédera la porte de l'ennemi. » Et voilà, c'est déjà acquis. Il fut blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est déjà accompli. C'est une œuvre achevée. Nous n'avons qu'à en prendre possession. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Le roi est avec nous ce matin. Ses grandes bénédictions, le Saint-Esprit se déplaçant au-dessus de nous, de pouvoir éprouver ce glorieux sentiment, en sachant que cela s'aligne parfaitement sur la parole de Dieu. Quel merveilleux réconfort pour nous de savoir que Dieu est notre Père. À présent, je crois, a-t-il distribué des cartes de prière ce matin? Je lui ai dit de... S'il n'y avait que les gens du tabernacle ici, de ne pas en distribuer. Mais que s'il y avait jusqu'à une dizaine ou une quinzaine d'inconnus parmi nous, eh bien, de distribuer des cartes de prière
afin que nous puissions les faire venir devant et prier pour eux. Combien y a-t-il d'étrangers parmi nous ce matin? Levez la main. Oh là là, certainement, il y en a bien 15 ou 20. Très bien. Nous allons faire mettre en rang ceux qui ont ces cartes de prière et les faire monter sur l'estrade. Voyez-vous, la raison pour laquelle j'ai dit cela au sujet des gens du tabernacle, c'est qu'ils sont ici. Ce discernement, souvenez-vous, je vous le dis, le discernement cessera bientôt. Il y aura quelque chose de tellement plus grand et de tellement meilleur. C'est déjà en route. Il y avait à ma connaissance, voyez-vous, je suis en train de regarder deux frères qui étaient avec moi hier quand c'est arrivé, et aussi la veille quand c'est arrivé. Cela fait maintenant 3 fois de suite que cela se produit. Une confirmation que la chose est toute proche, vous voyez, juste sur le point de se produire. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu. Et nous sommes tes serviteurs. Nous te remercions pour ta parole, pour le Saint-Esprit qui a béni nos cœurs. Et maintenant, nous sommes heureux d'être assis ici et de savoir que nous sommes vainqueurs. Nous possédons déjà toutes les portes de l'ennemi. Cela nous a été accordé et nous avons le passe-partout dans notre main. Le nom de Jésus-Christ ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Prenez cette clé, la clé du nom de Jésus, et ouvrez chaque porte que l'ennemi a placée devant vous pour vous empêcher d'accéder aux promesses. Et, ô Dieu, ce matin, nous venons au nom de Jésus avec cette clé afin d'ouvrir les portes pour les malades et les affligés. Car il est écrit dans sa parole, « En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Nous savons que ces choses sont vraies. Et accorde ce matin, Seigneur, que les gens puissent reconnaître par la manifestation de la parole faite chair, habitant parmi nous, qu'il a été blessé pour nos transgressions et que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Et puissent-ils l'accepter ce matin et être guéris de toutes leurs maladies, leurs afflictions et leurs problèmes. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Teddy, voudrais-tu jouer « Crois seulement », doucement et lentement, s'il te plaît. Et maintenant, veux-tu que je commence avec le numéro 1? Numéro 1, les cartes de prière numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si c'est ce qui a été distribué. Très bien. Si vous pouvez vous lever, voulez-vous tranquillement venir de ce côté-ci? Quoi? Voyons voir. Numéro 1. Numéro 2, qui a la carte de prière numéro 1? Numéro 2, très bien monsieur. Numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10. Tandis qu'ils s'avancent et prennent place debout, j'aimerais poser cette question à certains d'entre vous. Combien y a-t-il quelqu'un du tabernacle ici qui soit malade? Des gens du tabernacle? Levez la main. Il y en a environ 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ou 9 mains. Y a-t-il quelqu'un ici dans le tabernacle, quelqu'un qui ne soit pas du tabernacle, qui soit étranger parmi nous et qui est peut-être arrivé après le service et n'a pas obtenu de carte de prière? Voulez-vous lever la main? Quelqu'un qui ait besoin de Dieu, qui ne soit pas de ce tabernacle. Quelqu'un ici qui ne soit pas membre du tabernacle, mais qui soit malade et n'ait pas de carte de prière, et qui désire qu'on se souvienne de lui dans la prière. Voulez-vous lever la main, chacun? Très bien, c'est bon. Très bien. Maintenant, je vais vous demander d'être aussi respectueux que possible pour quelques instants, que nous puissions tout de suite commencer. Maintenant, voyons, combien de place te reste-t-il, Billy? Très bien. Est-ce que tu as le numéro 10? J'ai appelé de 1 à 10. Que les numéros 11, 12, 13, 14, 15 se lèvent à présent. Que ceux qui ont les numéros 10, 11, 12, 13, 14, 15 se lèvent. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en manque encore 2, de 1 à 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, une minute. Je lui ai dit de donner les cartes de prière seulement aux gens qui n'étaient pas du tabernacle. C'est juste, voyez-vous, car cela serait, voyez-vous, le discernement. Les gens disent, ces gens viennent au tabernacle. Voyez-vous, laissez-moi vous dire, combien ne sont jamais venus ici auparavant? Faites voir vos mains, ceux qui n'ont jamais été dans mes réunions auparavant. Bien, maintenant, juste un moment, frère Teddy. Maintenant,
Permettez-moi de dire ceci. Vous avez tous entendu parler du déroulement des réunions, n'est-ce pas? Vous avez tous déjà assisté aux réunions. Voyez-vous, lorsque notre Seigneur Jésus était ici sur terre, il n'a jamais prétendu être un guérisseur. Il était la semence d'Abraham, certainement, et la promesse l'accompagnait. Il a dit qu'il ne faisait rien que le Père le lui ait montré. N'est-ce pas vrai? Et il a dit, je ne peux rien faire tant que le Père ne me le montre pas. Et il le voyait par, non pas tant que le Père ne me le dit pas, mais tant que le Père ne me le montre pas. Jean 5, 19. Ce que je vois faire au Père, le Fils le fait pareillement. Or, lorsqu'il vint, nous voyons qu'au commencement de son ministère, après avoir pris le siège de David, spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vint sur lui au baptême de Jean, il devint le Messie oint. Maintenant, souvenez-vous, il était le Fils de Dieu lorsqu'il naquit. Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Car Messie signifie « loin ». Voyez-vous, et il fut loin lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Vous m'avez entendu prêcher l'agneau et la colombe. Alors nous voyons qu'il, après ses 40 jours de tentation, il sortit. Comment son ministère commença-t-il? Et comment finit-il? Nous voyons qu'au cours de son ministère, il y eut un homme s'appelant André, qui alla trouver son frère Simon, un pêcheur, et le conduisit vers Jésus. Et Jésus lui dit, « Tu t'appelles Simon. Le nom de ton père est Jonas. Désormais, tu seras appelé Pierre, ce qui signifie « petite pierre ». Vous vous souvenez de cela? Et cet homme fut frappé d'étonnement devant ce que Jésus lui avait dit. Or, le Messie, était-il censé faire cela? Combien le savent? Dites « Amen ». Il devait être le Dieu prophète. Oui, monsieur. Moïse dit, « L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi. Si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, celui-là sera retranché du milieu du peuple. » Maintenant, puis nous voyons qu'un peu plus tard, il vint chez les siens. Qui était-il? Les Juifs de la lignée naturelle. Et ainsi, les siens ne l'ont point reçu. Donc, il dut alors, maintenant, cela doit aller chez les nations, vous voyez, car les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il s'est donc tourné vers les nations, et cela depuis 2000 ans. Mais remarquez bien les choses qu'il a faites. Puis Philippe, après avoir vu cela se produire, alla trouver Nathanaël. Et lui dit qui il avait trouvé et ce qu'il avait fait. Et cela l'étonna beaucoup. Il pouvait difficilement le croire. Mais quand il entra dans la présence du Seigneur Jésus, quand il le trouva et entra dans sa présence, Jésus dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Maintenant, si vous vous étiez tenu là, pensez-vous que vous auriez été assez spirituel pour comprendre de qui il s'agissait là? Pensez-vous que vous l'auriez fait? Maintenant, observez. Voyez cet homme, un simple étranger. Il aurait pu être un pécheur. Il était charpentier, voilà ce qu'il était. Ce charpentier se tenait là, un homme d'âge moyen, et voici que s'avance cet homme. Il le regarde comme l'un de ces hommes ici et dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Comment donc savait-il que c'était un Israélite? Ce n'est pas à la façon dont il s'habillait, parce qu'ils s'habillaient tous de la même façon, dans lequel il n'y a point de fraude. Comment savait-il que c'était un homme loyal? Aussi cela étonna cet homme. Étant un vrai croyant, il dit, « Rabbi » ou « frère, prédicateur, docteur, quand m'as-tu déjà vu? » Voyez-vous, il l'interroge. Il répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Il dit, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus dit, « Parce que je t'ai dit ceci, maintenant tu crois. » Or, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et voilà pourquoi je crois que l'Église du Dieu vivant verra une plus grande chose que celle-ci. Elle est maintenant sur le point d'entrer sous peu là-dedans, voyez-vous, parce qu'ils y ont cru. Ceux qui l'ont rejeté à cause des barrières dénominationnelles, je doute qu'ils arrivent une fois à croire quelque chose, voyez-vous. Des choses où vous marcherez dans la lumière, ou vous serez aveugle. La lumière aveugle, ou bien elle montre le chemin. J'ai vu des petits oiseaux à la statue de la liberté. Assure-toi bien d'aller voir cela, frère Toms, quand tu iras. Qui se fracassait la tête contre cela, et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a répondu, au lieu de suivre la lumière dans la tempête vers un lieu sûr, ils ont essayé d'éteindre la lumière en la frappant, et se sont tués. C'est la seule chose qui se produit lorsque vous luttez contre la lumière.
Vous vous tuez spirituellement. Marchez simplement dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous serons mutuellement en communion. Toutes les églises croiront et avanceront en se réjouissant des bénédictions de Dieu. Ne serait-ce pas merveilleux? Regardez la femme samaritaine lorsqu'elle vint. C'était une samaritaine, non pas une juive, mais une samaritaine. Et elle dit, « Donne-moi à boire. » Et la conversation se poursuivit. Je parle pour les nouveaux venus maintenant. Et la conversation se poursuivit. Maintenant, elle ne savait pas du tout qu'il était le Messie. Il était simplement un homme, un juif. Remarquez ce qu'elle lui a dit pour commencer. « Mais il n'est pas de mise pour vous, juifs, de parler ainsi à une femme samaritaine. » Elle dit, « Nous n'avons pas de relation les uns avec les autres. » Il répondit, « Mais si tu savais qui est celui à qui tu parles, tu m'aurais toi-même demandé à boire. » Et je t'aurais apporté, donner de l'eau qu'on ne vient pas puiser ici. Mais, dit-elle, une petite minute, nous, nous adorons sur cette montagne, et vous, juifs, vous adorez à Jérusalem. Jésus dit, mais l'heure vient où vous n'adorerez ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais dans l'esprit, car Dieu est en esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous? Eh bien, il continua et poursuivit la conversation jusqu'à ce qu'il découvre son problème. Vous savez quel était son problème? Y a-t-il quelqu'un ici qui sait ce qui n'allait pas avec la femme au puits? Elle avait trop de maris, n'est-ce pas? Ainsi, il lui dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle dit, « Je n'ai pas de mari. » Il dit, « C'est juste, tu en as cinq, et celui avec qui tu vis en ce moment n'est pas ton mari. » Elle répondit, « Seigneur, maintenant observez-la. Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Si vous consultez la note de renvoi, vous verrez que dans l'original c'est « Seigneur, tu es, je vois que tu es ce prophète. » Vous souvenez-vous que la Bible dit constamment « Ce prophète, es-tu ce prophète ?» De quel prophète était-il question? Celui dont Moïse avait dit qu'il serait suscité. « Je vois que tu es un prophète. » Or, on nous enseigne et nous savons que lorsque le Messie viendra, il fera ces choses. C'était là le signe du Messie, n'est-ce pas? De savoir ce qu'était son problème. Elle dit, nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais qui es-tu? Il répondit, je suis moi qui te parle. Elle laissa sa cruche. Elle courut à la ville. Je l'imagine la main posée sur son cœur qu'il palpitait, et disant, gardant les mains sur la poitrine, et disant, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Ne serait-ce pas celui-là même dont la Bible a annoncé la venue? C'est un juif assis là-bas, un homme comme les autres. Il a l'air d'un charpentier, mais il m'a dit que j'avais cinq maris. Et vous savez tous que c'est la vérité. Celui-ci doit être le Messie, n'est-ce pas vrai? » Maintenant, Jésus dit, « Encore un peu de temps, un court laps de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez même plus que je n'en ai fait ici, parce que je m'en vais au Père, et reviendrai sous la forme de l'Esprit. Le sacrifice est payé, la semence royale mourut. » La semence royale ressuscita. Maintenant l'Église se tient justifiée pour avoir cru cela. Et la semence royale peut entrer dans ces gens et même en faire des cohéritiers, des fils et des filles de Dieu. Maintenant pour ceux d'entre vous qui ne sont pas dans la ligne de prière, je lui ai dit de ne donner des cartes qu'aux gens qui, lorsque je l'ai appelé ce matin, il m'avait appelé disant, « Veux-tu que j'aille distribuer des cartes, papa ?» J'ai dit, « S'il y a au moins 10 personnes qui ne sont pas du tabernacle. Maintenant, parfois, au tabernacle, je leur fais remettre des cartes de prière. Vous revenez alors en disant, « Eh bien, ils les connaissaient, ils étaient du tabernacle, ils connaissaient leur état, certainement. » Et puis, je fais l'inverse, je dis que seulement ceux qui ne sont pas du tabernacle viennent. Bien, vous qui n'êtes pas du tabernacle, c'est vous qui viendrez dans la ligne de prière. « Oh, nous ne les connaissons pas, » disent les gens du tabernacle. Nous ne savons pas ce qu'est leur problème. Il se peut qu'il ait menti à ce sujet, voyez-vous. Ensuite, je dis, que personne ne vienne, que le Saint-Esprit choisisse alors ceux qui sont ici et qui ne sont pas du tabernacle, qui sont simplement assis là. Encore là, vous, il n'y a aucun moyen du tout d'amener un homme à Dieu, à moins qu'il soit prédestiné
à être un fils de Dieu. Il n'y a absolument aucun moyen de le faire. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et c'est la vérité. Tout ce qu'il faisait provoquait de l'opposition. S'il faisait quelque chose comme ceci, il aurait fallu que ce soit fait comme cela. Et si c'était comme cela, c'était censé être plutôt comme ceci. Voyez-vous, c'est simplement de l'incrédulité. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Donc vous voyez. Maintenant, voici ce que j'essaye de dire à cette congrégation de gens. Jésus-Christ était cette semence royale. Ce n'est pas nous, c'est lui. Nous n'en sommes que les héritiers, mais toutes choses nous appartiennent. Et si vous aviez été là, le jour où Simon s'est avancé, et vous, personne, c'est la toute première chose qu'il a faite. Or, ce sera la première chose pour ces gens, s'il le fait. Ils n'ont encore jamais vu cela. Mais lorsque Simon s'est avancé, ce vieux pêcheur, pas assez instruit pour signer son nom sur un bout de papier, la Bible dit qu'il était ignorant et illettré. « Et » est une conjonction. À la fois ignorant et illettré. Puis, lorsqu'il s'avança, Jésus dit, « Tu t'appelles Simon. Que croyez-vous qu'il a pensé? Qu'auriez-vous pensé si vous aviez été là? Et le nom de ton père est Jonas. Et désormais, tu seras appelé Pierre. Qu'est-ce que vous auriez pensé? Cet homme, lisait-il sa pensée? Ou bien, qu'auriez-vous pensé? Auriez-vous pensé que c'était là le signe du Messie? Si c'est le signe du Messie pour un âge, cela doit être le signe du Messie pour le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge. Pour chaque âge, il doit en être de même, parce que Dieu ne peut pas changer. Et combien savent que le Messie était Dieu? Certainement qu'il l'était. Loin, assurément. Il ne peut donc pas changer. Il doit demeurer le même. C'est pour cela qu'il dut témoigner de la même chose aux Samaritains qu'aux Juifs, parce qu'il y a trois nationalités de gens. Ceux de la lignée de Sem, ceux de la lignée de Cam et ceux de la lignée de Japhet. Les Juifs, les gentils et les Samaritains. Maintenant, avez-vous remarqué le Saint-Esprit? Combien savent que Pierre avait les clés du royaume? Avez-vous remarqué qu'il l'ouvrit aux Juifs le jour de la Pentecôte? Philippe alla prêcher aux Samaritains et les baptisa au nom de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux. Ils durent envoyer chercher Pierre qui leur imposa les mains et le reçurent le Saint-Esprit. Est juste. Et chez Corneille, les gentils le reçurent. Tous y avaient eu droit à partir de ce moment-là. C'est simplement ouvert à tous maintenant. Ça y est, voyez-vous, il devait l'ouvrir. Dieu a sa façon de faire les choses. Maintenant, ce matin, si celui qui a fait la promesse a la semence, et si la semence est ici, je veux croire que chacun de vous en fait partie. Si la semence est assise ici, sûrement que la semence verra la promesse. Maintenant, toutes les personnes qui se tiennent debout ici ont levé la main pour montrer qu'elles n'avaient encore jamais assisté à ces réunions. Elles me sont inconnues, je n'en connais pas une seule. Elles sont simplement venues ici et il y a quelques minutes, Billy leur a donné une carte de prière, elles se tiennent ici. Vous êtes aussi nombreux dans la salle à avoir levé la main pour indiquer que vous n'aviez pas de carte de prière et que vous étiez des étrangers ici. Cela n'a rien à voir. Croyez simplement que vous êtes héritiers de cette promesse. Croyez seulement que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et croyez-le de tout votre cœur. Et regardez-le. Ce don ne consiste qu'à se soumettre à lui, c'est tout. Je ne dis rien, c'est lui qui parle. Et s'il s'agit de son esprit de prophétie, le prophète a toujours eu le « ainsi dit le Seigneur ». C'était toujours juste. Et il n'est pas question de doctrine, parce que cela devra s'aligner parfaitement sur la Bible. S'il s'agit de Dieu, Dieu ne peut dire quelque chose pour ensuite revenir là-dessus et le modifier. Cela doit toujours rester pareil. Maintenant, vous, dans l'auditoire, croyez avec tout ce qui est en vous. Croyez. Maintenant, ne bougez plus. Restez bien tranquillement assis maintenant, chacun, aussi lentement et aussi doucement que tu le peux. Il se trouve ce matin que la première personne qui se tient ici est un homme. Maintenant, nous allons prendre ce passage de l'Écriture. Maintenant, voyez-vous dans quelle position je me trouve ? Combien peuvent le comprendre? Ici se tiennent des hommes et des femmes que je n'ai jamais vus de ma vie. Ils n'ont même jamais assisté à une de mes réunions. Et vous voyez dans quelle position ils se trouvent. Ils ne savent pas ce qui va arriver, et moi non plus. Mais Dieu l'a promis. Abraham ne savait pas ce qui allait arriver quand il sortit le couteau pour tuer Isaac. Mais Dieu lui avait fait la promesse. Cela réglait le problème. Il l'avait reçu comme quelqu'un d'entre les morts, sachant qu'il était capable de le ressusciter des morts. Est-ce juste?
Alors cela règle la question. Maintenant, il y a ici près de moi un homme que je n'ai jamais vu et dont je ne sais rien. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Dieu nous connaît tous les deux. Maintenant, par un don divin, si je peux simplement par un don, or ces dons sont innés, prédestinés par Dieu avant la fondation du monde. Combien savent cela? Je n'ai rien eu à faire pour avoir ce don. Dieu en a décidé ainsi. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui l'a choisi. Voyez-vous? Comme les prophètes de l'Ancien Testament et les autres, ils étaient prédestinés à le faire, à faire ceci. Maintenant, si cet homme est malade, je ne pourrai pas le guérir. Si cet homme a besoin de quelque chose, que je puisse l'aider ou pas, dépendra de la nature de son besoin. Peut-être que s'il s'agissait de quelque chose comme d'un petit quelque chose pour lequel je pourrais lui venir en aide, bien sûr, je le ferais volontiers. Peut-être qu'il a un tempérament colérique. Peut-être qu'il n'est même pas un chrétien. Peut-être qu'il est un chrétien. Peut-être est-il un imposteur, je ne sais pas. Et si c'était juste une attaque sournoise, quelqu'un qui s'est glissé ici, puis s'est avancé en simulant quelque chose. Regardez alors ce qui va se passer, voyez-vous. Regardez ce qui va arriver, voyez-vous. Je ne sais pas. Mais vous voyez, alors que vous vous tenez ici, vous pouvez être rassuré. Sachant que Dieu a fait une promesse et que Dieu tient sa promesse. Et puis, si Dieu tient maintenant sa promesse pour les gens qui sont debout ici, alors combien dans l'auditoire vont le croire de tout leur cœur? Vous allez le croire de tout votre cœur. Alors croyez simplement. Maintenant, voyons. Prenons un passage de l'Écriture. Simon-Pierre vint vers le Seigneur Jésus. Quand il arriva devant le Seigneur Jésus lui dit qui il était. Et lui dit des choses qui concernaient sa vie. Eh bien, le même Jésus vit aujourd'hui. Croyez-vous qu'il est ressuscité des morts? Croyez-vous que cet esprit du Messie vit effectivement dans l'Église aujourd'hui, tout comme il l'a toujours fait? Très bien. Maintenant, vous, dans l'auditoire, qui n'avez pas de carte de prière, regardez ici et dites, « Seigneur, bien sûr, il n'y a pas de carte de prière dans l'auditoire, puisque j'ai tous leurs détenteurs debout ici. » Vous, dans l'auditoire, dites, « Seigneur, touche-moi. » Voyez ce qui se produira. Maintenant, monsieur, s'il existait un seul moyen pour moi de vous aider, je le ferais. Voyez-vous, je suis simplement, nous sommes simplement des inconnus. Et je vous rencontre pour la première fois. Mais je suis responsable, en tant que ministre, de dire la vérité et d'être un témoin de Jésus-Christ. Et maintenant, je ne veux pas que vous me disiez quoi que ce soit. Je veux simplement que vous me répondiez en disant si oui ou non, c'est vrai. Et ensuite, laissez-le agir. Et s'il accomplit la même chose ici sur l'estrade, à travers ce corps-ci, qu'il a accompli à travers le corps de Jésus, soit Dieu en Christ, Jésus a dit, « Je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. » Il me dit quoi faire. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme, c'était le Père en lui qui parlait à la femme. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon-Pierre, c'était le Père qui demeurait en lui qui connaissait Simon-Pierre. C'est cela, vous voyez, c'est cela. Je peux tout de suite vous dire que vous êtes un chrétien. Oui, monsieur, parce que vous avez un esprit accueillant qui vibre chaleureusement. Il est un croyant, il est chrétien. Et vous souffrez de nervosité, ce qui vous cause des ennuis gastriques. Est-ce exact? Voyez-vous, eh bien, c'était... Comment pouvais-je savoir cela? De quelle façon aurais-je bien pu savoir cela? Nous ne nous sommes jamais vus auparavant. C'est vrai, n'est-ce pas? Peut-être qu'il vous dira autre chose vous concernant. Je vais vous dire, voici quelque chose. Je vois une femme près de vous. Elle est avec vous. C'est votre femme. Elle aussi a besoin d'aide. Oui, monsieur. Vous croyez que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez votre femme? Très bien, monsieur. Elle souffre du cœur, de complications. C'est juste, n'est-ce pas? Elle est également nerveuse. Oui, monsieur. Or, vous n'êtes pas de cette ville. Vous retournez par ce chemin-là lorsque vous rentrez chez vous à Cincinnati. C'est juste. Vous êtes de Cincinnati, Ohio. Votre nom est Milliken. Allez, rentrez chez vous, soyez guéri. Le Seigneur vous bénira et vous serez guéri, vous et votre femme. Que Dieu vous bénisse. Venez, monsieur. Croyez-vous? Ayez seulement la foi. Ne doutez pas.
Maintenant, soyez très respectueux, tout le monde, soyez très respectueux et restez tranquille. Voyez-vous, le Saint-Esprit est tellement timide. Combien savent cela? Le Saint-Esprit est vraiment très timide. Voyez-vous, la moindre interruption le dérange. Selon les médecins, vous allez bientôt mourir suite à un problème au cœur. C'est exact. Vous êtes venu de Chicago, Monsieur Mosley. Votre prénom est Théodore. Vous croyez Dieu? Alors rentrez chez vous et vivez. Au nom de Jésus-Christ et soyez guéris. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous Dieu? Vous souffrez des jambes. Vous aussi, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes d'Owensboro, au Kentucky. Votre nom est Madame Lem. Rentrez chez vous et soyez guéris. La dame qui est assise là est aussi d'Owensboro. Vous avez un abcès ici au sein et on devait vous opérer demain. Allez, croyez et vivez. Croyez-vous, monsieur? Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Votre nom est Monsieur Gilroy. C'est exact. Vous venez d'Anderson, dans l'Indiana, là où l'Église de Dieu a son grand mouvement. C'est juste. Vous vous tenez ici pour votre fille qui est partiellement atteinte. Elle est partiellement paralysée. Vous croyez? Alors rentrez chez vous et retrouvez-la comme vous le croyez. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi, croyez-le. Vous croyez de tout votre cœur, monsieur? Vous êtes d'Indianapolis. Vous êtes un ministre de l'Évangile. C'est là votre épouse. Oui, elle souffre aussi. Elle a des ennuis d'œsophage. Avec son œsophage, le médecin, elle souffrait du cœur et était un peu nerveuse. Je vois qu'elle est sourde, mais venez ici. Merci. Toi, esprit de surdité, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne par le Dieu vivant, sors de cette femme. Vous m'entendez comme il faut maintenant. Vous pouvez tous deux retourner à la maison et être guéris. Rentrez chez vous. Vous pouvez m'entendre. Vous êtes guéris. Tout ira bien. Croyez-vous de tout votre cœur? Ayez simplement foi en Dieu. Croyez. Oh, cette arthrite et tout ça, c'est terrible. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Alors descendez par là et rentrez chez vous en louant son nom, disant « Merci, cher Seigneur Jésus ». La raison pour laquelle j'ai saisi cela si rapidement, c'est que cette femme-ci souffrait de la même chose, d'arthrite. Et vous croyez que Dieu va vous guérir? Très bien, monsieur. Alors descendez simplement par là et dites « Merci, Seigneur Jésus » et rentrez chez vous. Très bien, sœur. Allez, repartez et croyez que cette raideur dans vos genoux ici et vos problèmes cardiaques et ainsi de suite, retournez chez vous en disant « Merci, Seigneur Jésus » et soyez guéris. Croyez-le avec tout ce qui est en vous. Croyez-vous? Qu'en est-il de vous là-bas? Croyez-vous? La petite dame aux cheveux noirs qui est assise là et qui est atteinte d'épilepsie, croyez-vous que Dieu va vous guérir? L'acceptez-vous? Très bien, si vous l'acceptez, il le fera. Il y a un prédicateur assis ici. Vous désirez une marche plus rapprochée avec Dieu, n'est-ce pas, monsieur? Vous croyez que Dieu le fera pour vous? Levez la main et dites, je l'accepte. Bon, cette dame assise là, qui vient de baisser la main, a un problème spirituel auquel elle est en train de penser. C'est exact. Voici une dame ici qui se demande si elle va avoir son bébé. C'est exact. Vous avez déjà assisté à une de mes réunions et je vous ai promis par Dieu un bébé, n'est-ce pas? Très bien. Alors rentrez chez vous et ayez-le. Ne vous inquiétez plus à ce sujet. Croyez-vous de tout votre cœur, vous tous? Chacun de vous croit? La semence d'Abraham possédera la porte de l'ennemi. Êtes-vous la semence d'Abraham par Jésus-Christ? Levez vos mains si vous l'êtes. Alors posez vos mains sur votre voisin, l'un sur l'autre. Posez vos mains les uns sur les autres. Possédez la porte maintenant. Elle est à vous, elle vous appartient. La prière de la foi sauvera les malades. Dieu les relèvera. Très bien, priez à votre manière. Priez de la façon dont vous le faites dans votre église. Priez pour les gens qui sont avec vous. Posez tout simplement vos mains les uns sur les autres et priez. Seigneur Jésus, nous venons dans ce glorieux et tout-puissant nom de la semence royale, de la semence d'Abraham, qui lui fut promis sur cette montagne où tu avais pourvu d'un agneau. Et tu plaças cet agneau dans cet endroit désert. C'est quelque chose de mystérieux, exactement comme tu l'as fait avec ces écureuils hier. Je te prie, ô Seigneur Dieu, d'envoyer de la puissance, de la foi, et de laisser chaque semence. Je sais qu'ils le feront,
Parce que tu as dit la semence d'Abraham. Et s'il y en a ici qui ont prétendu être la semence et qui ne sont pas la semence, pardonne-leur d'avoir eu cette intention ou d'avoir prétendu cela. Et puisse le Saint-Esprit, en ce moment même, embraser leur âme d'une foi vivante. Que le Saint-Esprit descende dans chaque cœur et guérisse tout le monde ici. Ils ont leurs mains les uns sur les autres. La semence royale a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et celui qui a fait la promesse est ici présent, prouvant lui-même qu'il est ici. Voilà la semence. Ils ont leurs mains posées les uns sur les autres. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Puisse le Saint-Esprit couler à flot à travers chacune des mains et pénétrer le cœur des gens, leur corps, et guérir tous ceux qui sont en cette divine présence. Accorde le Seigneur. Je réprime le diable, je réprime toute incrédulité, je réprime tout esprit infâme, je réprime tout imposteur, je réprime tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit prenne sa place dans le cœur des gens à l'instant, par la foi. Que toute maladie et toute affliction quitte les gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, semence d'Abraham, vous êtes la lignée royale, vous êtes la promesse. Par la grâce et l'aide de Dieu, combien d'entre vous peuvent lever la main et dire « J'ai reçu ce que j'ai demandé ». Merci, c'est cela, c'est le but de la promesse. C'est pour cela que la promesse a été donnée, afin que vous soyez héritiers de toutes choses, par Jésus-Christ qui vous a sauvé. Il vous a sauvé du péché. Il vous a sauvé de la maladie. Il vous a sauvé de la mort. Il vous a sauvé de l'enfer. Il vous a sauvé de la tombe. Vous me direz, frère Branham, il nous faut tous descendre dans la tombe. Mais la tombe ne peut nous retenir. Il y est allé aussi, mais elle n'a pas pu le retenir. Bien sûr qu'elle ne peut pas le retenir. Mais, frère Branham, je suis tellement tenté. Il l'a été aussi. Mais il vous a sauvé de la tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Voyez-vous, il l'a fait. C'est à vous. Tout vous appartient par Jésus-Christ. Il vous donne tout gratuitement. Il n'y a rien à payer, ni rien d'autre à faire. Cela vous appartient en ce moment même. Simplement, n'en êtes-vous pas content? N'êtes-vous pas heureux à cause de lui? Grâce soit rendue à Dieu. Maintenant, il y aura réunion ce soir, à 7h30. Je vais laisser le pasteur vous en parler. Viens, viens. Donc, dimanche matin prochain, si le bon Seigneur le veut, je reviendrai au tabernacle pour prier pour les malades ou faire quelque chose ainsi.